Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et une vidéo assez particulière. Ça fait un petit moment, j'ai même pas regardé combien de temps, mais ça fait quelques mois que j'ai pas fait de vidéo sur YouTube. Je vous retrouve dans un décor, pardon, un petit peu particulier. On est derrière mon atelier Second Button et je vous tourne ça le seul jour où il y a de l'orage. Je suis désolée pour les bruits d'orage et de ma chienne qui tourne partout dans la maison parce qu'elle a assez peur de l'orage. Mais si je vous fais cette vidéo aujourd'hui, c'est pour une raison très particulière. Déjà, je suis désolée de mon absence, entre guillemets. Ma chaîne YouTube n'est pas morte, hein, c'est juste que avec l'été et le travail en restauration, je suis assez débordée, surtout par le travail, et quand j'ai un petit peu de temps libre, j'en profite, pardon, pour moi et pour me reposer surtout. Donc voilà, je suis très peu présente, et sachez que depuis ma dernière vidéo YouTube, qui je ne sais même plus de quand elle date, je n'ai même pas retouché ma machine à coudre. J'ai même pas le temps de coudre, etc. Je prends pas le temps. Donc voilà, c'est dur un petit peu, mais j'essaye de prendre du temps pour me reposer, du temps pour moi et pour ma vie personnelle. Donc pour l'instant, la couture est un petit peu mise de côté parce que j'ai un petit peu moins de temps. Mais j'espère qu'on se retrouvera cet hiver pour de la couture, en tout cas pour l'instant. Là, si je vous fais cette vidéo, c'est pour une raison bien particulière et vous l'avez regardée grâce au titre, je suppose. Je pense qu'il y aura juste une centaine de vues sur cette vidéo, que ce sera juste ma communauté proche qui la regardera et qui aura déjà entendu parler de Second Button, je pense. Mais voilà, je vais vous sortir des calendriers de l'Avent Second Button. Vous allez avoir du coup plusieurs types de calendriers de l'Avent. Donc voilà, je fais cette petite vidéo chill en triant justement tous les boutons pour les calendriers. Regardez, je vais vous montrer. Là, vous avez tout plein de boutons. Et regardez ici, vous avez plein de pochettes qui sont déjà remplies avec des petits boutons. Donc voilà, je passe beaucoup beaucoup de temps aussi à faire ça. Donc voilà, je commence à préparer plein de petites pochettes avec plein de jolis boutons. Vraiment, il y en a des tellement magnifiques. Je sais même pas si vous allez bien voir. Non, avec la lumière, on voit rien du tout. Mais c'est un petit bouton. En fait, il y a tellement de détails. Faudrait que je vous montre. Peut-être que celui-ci vous verrez mieux, mais en fait, ça fera pas de focus. Mais enfin, ouais, je vous montrerai peut-être des petites séquences où on voit les boutons. Mais voilà, j'ai vraiment une sélection infime de boutons. J'en ai plein, plein, plein. Et je vais pouvoir vous faire plein de calendriers. Si je vous fais cette vidéo, du coup, c'est pour vous parler des différents types de calendriers qu'il y aura. Et vous donner une première idée des tarifs. C'est pas encore défini totalement. Et surtout, pour vous parler des préventes, enfin, en fait, je vais sortir les calendriers, je pense, à la vente pour tout le monde le 7 septembre. Je l'ai fait, enfin, je vais mettre les précommandes assez tôt parce qu'il faut le temps quand même que je m'organise. Là, je prépare les petites pochettes de boutons, mais en fait, le temps que je fasse chaque calendrier en choisissant quand même 24 boutons assez différents. Enfin voilà, je vais quand même pas juste vous balancer 24 pochettes comme ça. Il y aura du travail derrière et je vais quand même avoir besoin de connaître entre guillemets à l'avance combien de calendriers je vais avoir besoin de faire. Parce que si je dois en faire 5 ou si je dois en faire 20, c'est différent, vous voyez. Donc voilà. Je souhaite que vous soyez plusieurs à en prendre, mais si ça se trouve, j'aurai juste un calendrier à faire et ça sera assez rapide. Enfin bref, tout ça pour dire que je risque de lancer la vente grand public à sûrement du coup le 7 septembre, parce que le 1er septembre, si jamais vous êtes inscrit sur le site à la newsletter, vous allez recevoir un mail et ou alors, si vous avez déjà passé commande sur le site, dans tous les cas, vous recevrez le mail. Mais je vais passer un mail pour vous dire que ce sont les préventes du calendrier. Vous pourrez les acheter du coup avant tout le monde. Vous serez sûr au moins d'avoir le vôtre sans qu'il y ait de rupture de stock, quoi. Parce que on ne sait jamais. Je me souhaite qu'il y ait des ruptures de stock. Hein, on ne sait jamais. Si vous êtes 50 à en vouloir, peut-être que je ne pourrais pas en faire 50. Mais
Quoique, je sais pas, faut que je vois combien j'ai de boutons et faudra que je rachète des petites pochettes, surtout si jamais je dois en faire 50. Enfin bref, tout ça pour dire que si vous l'achetez pendant les préventes la première semaine, vous serez sûr de l'avoir dans tous les cas. Et vous bénéficierez de la livraison gratuite. Donc si vous êtes sûr que vous voulez votre calendrier, je vous conseille d'aller dans le lien qui sera dans la description, qui sera le lien du coup vers le site. Et vous pourrez vous inscrire de toute façon quand vous entrez sur le site, vous avez le petit encart pour s'inscrire à la newsletter. Donc voilà, si vous voulez vous inscrire, au moins vous serez averti dès que les calendriers sortiront, même vous serez averti une semaine avant et vous pourrez le commander avant tout le monde. Et vous bénéficierez de la livraison gratuite. Voilà, pour ce qui est des calendriers que je vais proposer. Je vais proposer du coup un calendrier qui sera un calendrier 100% bouton. Donc voilà, vous retrouverez différents types de boutons. Je vais essayer de varier. Il y aura vraiment de tout, entre guillemets, des boutons métal comme ça, des petits boutons dorés, des gros boutons, des boutons rouges, des boutons un petit peu basique crème, des boutons nacre, enfin voilà, il y aura vraiment des petits, des gros, de toutes les couleurs, des dorés, des argentés, des noirs, enfin voilà. Ce sera un mix de plein de styles de boutons, mais ce sera vraiment que des jolis boutons. Je vous promets, ils sont vraiment. De toute façon, en fait, tous les boutons que j'ai chinés, ils sont tous magnifiques. Voilà, je suis fan. Le calendrier 100% boutons sera proposé entre 50 et 60 euros. Je sais pas, je connais pas encore exactement le tarif, mais je sais que ça se situera dans cette fourchette-là. Ensuite, je vais proposer un calendrier bouton et dentelle. Celui-ci, je pense que même si jamais ça vous intéresse pour les précommandes, peut-être qu'il y aura des quantités limitées, mais je me rends pas compte à quel point ça peut intéresser les gens ou pas. Mais parce que j'en ai pas non plus à l'infini de la dentelle. Mais j'en ai quelques-unes, notamment des jolies dentelles soie rose comme celle-ci. Enfin, j'ai plein de dentelles vintage. Hop. Des dentelles, des jolis panneaux de dentelle crème comme ça et tout. Après, j'ai aussi de la dentelle broderie anglaise blanche classique. Enfin, voilà. J'en ai beaucoup. Donc, je me suis dit que je pouvais faire un calendrier mix boutons et dentelles. Donc, voilà. Vous pourrez retrouver aussi celui-ci sur le site. Il sera approximativement au même tarif que le bouton et que le 100% bouton. Il sera peut-être juste un tout petit peu plus cher. Je pense que ce sera entre 55 et 65 euros. Vous voyez, il y aura juste une dizaine d'écarts de différence avec le 100% bouton. Voilà, pour pas qu'il soit trop cher non plus, parce que moi la dentelle, je l'ai pas eu à des prix exorbitants non plus. Donc comme d'habitude, c'est de la. Ah mais est-ce que j'ai précisé que c'était 100% seconde main? Je sais même pas. Mais si vous êtes resté jusque-là, c'est que ça vous intéressait. Donc voilà, si jamais j'ai pas précisé, c'est tout est uniquement de la seconde main parce que c'est issu de mon site Second Button, du coup, qui est uniquement de seconde main. Si vous aimez le site ou si jamais vous avez jamais osé le pas de commander sur le site, sachez que le site va sûrement bientôt fermer. Donc voilà, c'est entre guillemets un peu la fin de la boutique. Si vous voulez vraiment quelque chose de second button, bah, sautez sur l'occasion des calendriers de l'Avent. Ils seront vraiment à petit prix pour vraiment de la belle qualité. Et voilà, n'hésitez pas. Et ensuite, pour le dernier calendrier de l'Avent que je vais vous proposer, ce sera un calendrier de l'Avent bouton et tissu. Je ne sais pas encore quelle sera la répartition exacte, mais je pense qu'il y aura entre 8 et 10 tissus dans le calendrier. Et le reste, ce sera des cases boutons. Donc voilà, celui-ci, j'ai encore du mal à me faire une fourchette de prix, mais ce sera sûrement au-dessus des 100 euros, hein. Mais je pense entre 100 et 140. Je ne sais pas encore, ça dépendra vraiment de la quantité que j'ai de tissu, surtout des métrages. De toute façon, ce sera que des métrages supérieurs à 1 mètre. Vous n'aurez pas de chute dedans, bien sûr. Ce sera que vraiment des coupons de tissu. Mais il faut que je fasse les calculs en fait pour savoir à peu près à combien je peux le faire. Mais voilà, ce sera dans une fourchette au-dessus de 100 euros. Mais c'est sûr, ce sera pas au-dessus de 150. Ça, c'est certain. Donc voilà.
je ne sais pas quoi vous dire de plus. Je suis très très heureuse de faire ces calendriers de l'Avent parce qu'en vrai, c'était ma première idée de base en ouvrant cette boutique, c'était de faire les calendriers de l'Avent. Donc je suis vraiment hyper contente de clôturer là-dessus. Peut-être que la boutique sera ouverte après les calendriers de l'Avent s'il me reste encore pas mal de stock. Mais voilà, j'ai absolument aucune idée de comment ça peut plaire et du nombre de commandes que je pourrais avoir pour les calendriers. J'espère tellement en vendre plusieurs et en fait j'ai tellement hâte de voir les retours des filles qui vont commander les calendriers. Ça me rappelle l'année dernière quand j'avais fait le test, j'avais fait 5 calendriers pour 5 filles et c'était vraiment trop bien. Donc voilà, c'est un peu différent parce qu'à l'époque j'avais fait un mélange de tout, de mercerie et tout. Là ce sera vraiment bouton, bouton dentelle ou bouton tissu. Et elles m'ont permis de me structurer justement vraiment ce test. Si les filles vous passez par là, encore merci pour cette expérience l'année dernière. Ça a vraiment permis que je structure mon idée et que je puisse faire un très joli calendrier pour cette année. Donc voilà, j'espère que ça va vous plaire. N'hésitez pas à me dire en commentaire quel calendrier vous attire le plus. Et si jamais vous avez envie d'en commander, si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas. Et puis voilà, n'oubliez pas que si jamais ça peut vous intéresser, allez dans le lien en description pour vous inscrire à la newsletter du site. Comme ça, vous pourrez directement bénéficier d'un accès en avant-première et surtout de la livraison gratuite. Donc voilà, j'espère que ça vous plaira. Et puis, moi, je vous dis à bientôt, j'espère, pour une prochaine vidéo. Je pense que je vous ferai une vidéo courant bah, début septembre, peut-être pour le 7 septembre, peut-être pour le jour où les calendriers sortiront vraiment, pour bah, mieux expliquer tous les calendriers, etc. Mais en attendant, moi, je vous fais des gros bisous. Et puis, j'espère vous voir nombreux à vous abonner à la newsletter pour que on puisse sauter ce pas de calendrier tous ensemble. Et puis, moi, je retourne à mon tri de boutons pour vous faire des jolis, jolis calendriers. Gros bisous!